بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نغلوغي في الله سبحانه وتعالى، ندمان لي سو إد، ندمان لي سو بروتكشن، ندمان لي سو باردون. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment pour ce bon faveur. Nous remercions lui pour le faveur qu'il a fait pour nous. Après avoir accompli l'occasion qu'il nous donne pour accomplir un salat obligatoire avec Jama'a, il nous donne l'occasion pour qu'il nous profite nous-mêmes avec le rappel. Alors, la rappelle qu'il est toujours profitable pour nos iman. Alors, Inch'Allah, la rappelle de ce soir, c'est du tout qu'Ibn Khawarij peut faire à l'islam. Alors, en vérité, mon frère et ma soeur, il n'y a doute qui, ce sujet-là, surtout dans l'époque actuelle qui nous fait vivre, il y a un sujet de vraiment grande importance pour plusieurs raisons. Parmi le fait que Khawarij, c'est l'égarement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous connaît, nous boutanli, inshallah. Dans sa exposé-là, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant ce qu'appelle Khawarij, alors, et ce qui plie important pour nous connaître, qui, ça l'égarement qu'appelle l'égarement Khawarij-là, si ne pas suivre ben, instruction que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il donnait, de pas suivre, ben, l'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin de nous, ben, avertissement, alors nous arriver, nous capables arriver, tombe dans sa erreur, qui nous arriver à le reconnaître, Khawarij, qui est considéré comme fausseté dans l'islam, n'arrivait à le considérer comme la vérité. Une autre raison encore qui fait, il est important, nous rappelle-nous, concernant l'égarement de ce qu'appelle Al-Khawarij, afin qu'il ne nous pas gagne embêté avec Shaitan. Car Shaitan, un parmi ce ban l'objectif, c'est tiens-nous le chemin droit et fais-nous empreinte ban chemin travers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait nous connaître, qu'il peut étaler devant nous. Et un parmi ce ban chemin-là, c'est l'égarement et ce qu'appelle Khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait nous connaître, c'est un égarement clair. Une autre raison encore, ban qui a aujourd'hui, je suis affecté par sa maladie de Khawarij là, je suis adopté ça comme je suis l'islam, c'est ça même ban dimoun qui aujourd'hui, je peux donner un mauvais exemple de l'islam à ban kuffar. Quand ban kuffar, peut ça ban musulman, qui aujourd'hui, je peux pratiquer l'islam, sous sa idéologie qui appelle Khawarij là, alors, ban kuffar, je peux gagner une mauvaise notion. Je peux gagner une mauvaise image de l'islam. Alors, afin qu'il nous pavine parmi sa ban dimoun, qui nous ena sa aqida là dans nous, et nous vine parmi ban qui nous vine complice dans donner une mauvaise image de l'islam à ban qui pas musulman. Comment nous connaît en tant que musulmans,
nous supposer pour refléter vraie l'image de l'islam, ça l'islam qui est là dans le Coran, ça l'islam qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle fait une quitte pour nous, et ça l'islam qui ban sahaba ridwanullah alayhi majma'in, je te fais sacrifier, je te la vie là-dedans, je te fais transmettre ça l'islam là, à ban génération après je, afin qu'ils jusqu'à qiyama, alors nous capables, pratiquer ça vrai l'islam, ça l'islam autant, authentique, que Allah subhanahu wa ta'ala voulait nous pratiquer. Et aussi, Khawarij, c'est un parmi ban bid'a, c'est un parmi ban innovation, dans qui ban musulman in tombé. Alors pour qui? Bid'a c'est pas zis, ban frère et ban sœur. Bid'a c'est pas zis, c'est qui nous connaît là. Bid'a qui dit moun faire de namaz, bid'a qui dit moun faire concernant le prophète, son naissance ou bien son amour. Bid'a, l'y trouve aussi dans l'aqida. Et un parmi ban bid'a, qui ban musulman fin commet, c'est quand je te fin paye à mes les zot être affectés par sa maladie qui appelle al-khawarij. Et aussi, zodi, si nous trouvons ban kuffar, piakis, ban musulman de terroristes, faire en islam et sur en islam, à nous dire qui, 100%, ban kuffar, nous dire qu'ils étaient nato en partie, ils étaient nato quand je suis acquis, ban musulmans de terroristes. Mais nous n'a pas pour capable de dire qu'ils étaient nato à 100%. Parce qu'ils ont dit, à travers sa aqida qui appelle Khawarij, à travers sa idéologie qui appelle Khawarij là, ils ont dit, certaines ban musulmans, je te fin laisse ban kuffar apercevoir que l'islam, c'est une religion de terroristes. Alors, frère en islam, et sur l'islam, voilà qui fait l'important. L'important qui nous rappelle, nous, de danger. Avertissement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donne nous concernant sa maladie qui est capable de trapper nous dans nos aqidah, qui appelle aqidah khawarij. L'importance qui fait nous apprendre concernant Khawarij, il y a plusieurs paroles de ban ulama, parmi, alors, nous avons parole de imam, nous avons parole de Ibn Umar, un parmi ban sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que dans ce parole, nous pouvons trouver comment il peut montrer nous qui ça danger qu'appelle Khawarij là, il y a un danger qui, il est vrai, même à l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tiena, sa maladie là, tu prends place dans certaines mandimoun. Alors, l'ifin, amplifié, après la mort le prophète, il arrive un moment, dans l'époque de Ali radiallahu anhu, dans l'époque de Uthman radiallahu anhu, alors nous pouvons trouver que sa maladie là, il grandit. Et, zodi, imaginons après 1400 bananes, Azodi, sa maladie là, qui quantité, li capable perfecter sa ummat là. Alors, il est important, quand nous tenons parole de Ibn Umar, li dit, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, une génération pour venir, une génération, le prophète peut cause génération, pas un djimoun, pas des djimoun, sa maladie qu'appelle Khawarij là, li peut affecter la clavicule, veut dire que j'ai la gauze. Sans qu'il sa Coran là pour dépasse que Dieu la gauze. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vais prendre une partie de sa hadith là, une longue hadith, veut dire pour montrer nous qui, Khawarij, une fois qu'il fait sur l'apparition, sa maladie qu'appelle Khawarij là, il peut exister jusqu'à Qiyama. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, jusqu'à qui Dajjal pour sortir parmi les troupes. C'est parmi, veut dire, poena sa bandimoun là, dans sa ummat là, et c'est dans ça, l'époque qui sa bandimoun là, je poulou la terre Allah, qui Allah subhanahu wa ta'ala, li pou faire, Dajjal apparaît avec ce ban fitna. Sa hadith là, li trouve dans Ibn Majah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit,
d'un hadith d'Abu Daoud, certainement, sa religion-là, l'époux divisé en 73 groupes, 72 là-dedans pour dans l'enfer, et un là-dedans pour dans Jannah, c'est Al-Jama'a, il dit à le rassemblement. Dans sa hadith-là, Imam Al-Barbahari lui dit, racine de sa 72 qui le prophète pédia là, c'est 72 bid'a, c'est 72 nouveautés qui bandit groupe, 72 groupes du monde qui pouvinent avec ban nouveauté dans l'islam et en partie là-dedans, je pouvinent avec ban nouveauté dans Aqida. Et Poena dans sa 72 là, il peut sortir depuis 4 racines principales. Veut dire depuis 4 divisions dans Aqida, numéro 1, Al-Qadariya, numéro 2, Al-Murji'a, numéro 3, Al-Shi'a, ce qu'ils appellent Ban Rafida, et numéro 4, Al-Khawarij. Ça, c'est 4 sources de l'égarement principal, et c'est depuis sa 4 la même qui, Ban Ulama dit, sa 72 groupes là, je te trouve, je te l'apparition. Imam Ahmed Finmo dans l'année 241 Hijri, qui fait un libon nous rappelle l'année qui savane personnage la fin quitte sa dunya là, afin qu'il nous capable arriver comprendre mon frère, qui sa fitna qui appelle Khawarij là, n'est pas une fitna qui hier bankin djibouté pour faire da'wa, c'est eux qui finvin avec sa quitte chose là. Imam Ahmed, un parmi les 4 grands imams qui nous connaît, 4 grands madhab. Alors Imam Ahmed lui dit Al-Khawarij qawmu su'in la a'lamu fil ardi qawman sharram minhum. Lui dit Ban Khawarij, c'est un mauvais groupe. Ban Khawarij, c'est un mauvais groupe du monde. Mopakon lo si a fas la terre. Un groupe qui plie mauvais qui ban là. Get Imam Ahmed, sa conception, qui li tiena, sa pensée, sa considération, pour sa ban djimoun, qui pouena sa aqida, qui appelle aqida Khawarij. L'in considère zot comme ban plie mauvais djimoun, qui est na, l'olatea Allah subhanahu wa ta'ala. Fran Islam et son Islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, dans Sahih al-Bukhari, lui dit, un groupe pour sortir dans la dernière époque, mais dit à Ban Khawarij, je peux toujours encore continuer à exister jusqu'à la dernière époque, je te les dents pour récent, mais dit, plie beaucoup parmi Ban Kiputum dans sa piège de Khawarij là, c'est Ban jeune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je te les dents pour récent, et je te raisonnement pour faible, je peux avoir un jugement bien faible. Je veux dire, pour difficile faire je comprends, ça va dire moun là. Ou pour mettre explication devant eux. Ou pour mettre éclaircissement devant eux. Ou pour mettre la guidance devant eux. Je peux difficilement comprendre, ça va dire moun là. Sa maladie qui appelle Khawarij là, il peut affecter je jugement, je cerveau. Et il dit, je peux prononcer ban meilleure parole de l'homme. Quand vous pouvez vous causer, vous pouvez émerveiller. Quand vous pouvez vous causer, vous pouvez étonner, vous pouvez surpris. Je peux cause ban meilleure parole de l'homme. Mais votre iman n'a pas pour dépasser votre gosier. Veut dire, sa partie interne de, d'un djimoun soli, l'ikou. Appelle ça gosier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, votre iman n'a pas pour dépasser votre gosier. Je peux sortir en déodine. Je peux sortir en déodine, pareil comme une flèche, li transperce un animaux qui finit visé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand nous prenons sa hadith, nous en excédé avec un autre hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, li prend l'exemple d'un chasseur, qui prend son arc, sa flèche, li fin mettre dans son arc,
quand il rissait sa flèche là, sa pression qui lui sortit, y allait, et les animaux qui finaient visés. Et le, écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui conseille l'ibédun man sahaba concernant quand nous trouve saban dimoun là avec saqida là, quand nous trouve ce pe propas saqida là, quand nous trouve ce pe pratique saqida là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pe odun ban musulman veut dire ban qui je peux n'a l'autorité dans cette l'armée. Banki, c'est l'islam qui peut gouverner un veut dire, banki pour être l'état islamique dans notre l'armée, si il y a sa bandimoula, dans Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fait notre l'apparition, le prophète peut donner l'ordre. Qui l'ordre le prophète peut donner? Né à pour côte sa zot zwan ban la, tuy zot, exécute zot. Tellement zot représente un fitna pour sa Ummat là. Tellement zot représente un danger. Pour sa ummat là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut ordonne ban l'autorité musulman qui prend place, exécute zot, tuy zot. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement dans tuy ban là, et na récompense le jour de qiyama pour celui qui tuy ban là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui peut promettre récompense à ban musulman, ban l'autorité qui, quand pour une sa bonne qualité du monde là, avec sa akida, sa maladie, qui appelle akida khawarij là dans zot, alors élimine zot, tue zot, quand il a récompense à gagner le jour de qiyama. Aïcha radiallahu anha, l'idia concernant ban khawarij, l'idia mufintan rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, innahum shiraru ummati, yaqtuluhum khiyaru ummati. Certainement, Saban là, c'est ban qui plie pire de mon ummat. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Aïcha radiallahu anha peut dire. Li fin tan le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. Saban là, ban khawarij, zot ban plie pire de mon ummat. Qui le meilleur de mon ummat pour tuy zot. Ve dire ban qui pour un vrai iman. Ban qui pour meilleur dans zot iman, dans zot taqwa, dans zot l'islam. Je n'a pas pour capable permettre sa ban dimoun qui na sa akida là. Je n'a pas pour capable permettre ban là. Continuez, vive. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ban meyye de mon ummat pour tuy zot. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, concernant ban khawarij, c'est ban assassiné, plus pire en bas les ciels. Je connais quand un dimoun assassiné, nous n'a sympathie pour lui. Nous tristes concernant lui. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ban assassiné pli pire, veut dire ban pli mauvais, assassiné, veut dire ban pli mauvais qui dit moun pour tous les autres, qui est là en bas les ciels, c'est sa ban là, veut dire ban khawarij, ban là pour les meilleurs de ban assassiné. Ça veut dire ban qui pour tous les autres, je pour mes pénadoutes. Quand on peut y la guerre entre ban musulman et ban khawarij, pas juste ban musulman qui peut tuer ban khawarij. Et ça, ban frère, mais, dans l'époque Othman, dans l'époque Ali, alors, zot l'apparition est encore beaucoup plus flagrant. Quand zot fin assassine Othman radiallahu anhu, quand zot fin tue Ali radiallahu anhu, alors, vraiment, zot fin met en exécution, zot, légalement dans qui zot fin tombé, qui appelle khawarij. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ban musulman qui peut tomber depuis zot l'armée, depuis ban khawarij zot l'armée, c'est ban meilleur assassiné. Veut dire, zot peut être considéré par Allah subhanahu wa ta'ala comme ban qui zot fin gagne l'amour pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Hadith as-sunan li ibn Abi Asim li dit à chaque fois qu'il ban la sorti, à chaque fois qu'il ban la fait l'apparition, tuy zot. Be dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li fin odon tout ban chef parmi ban musulman, tout ban l'autorité islamique qui pou vini après lui jusqu'à qiyama. Be dit quand il a l'apparition de ban khawarij pour le bien-être de sa ummala, bizin exécute sa bandi moula, pareil kouma ban kiena akida rafida
ban kina aqida shi shi'a dans eux, sa quantité qu'ils te représentent un danger pour l'islam, comme ça même ban khawarij avec zut aqida de ligament je te représente un danger pour ban musulman. Ali radiallahu anhu lui dit, salamé qui peut attaquer ban lala, si salamé là tu connais, salamé qui peut attaquer ban la, veut dire pour attaquer ban khawarij, pour exécuter zut, pour la guerre contre zut, pour finir zut, si salamé là tu connais, qui finit décréter pour zut comme récompense, l'eau, la langue de zut prophète, ban la ti pou fier l'eau là et ban la ti pou arrêter faire amal. Ali radiallahu anhu dit, si je t'y connais qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, récompense, vertu qui est là, dans élimine sa ban qui appelle ban khawarij, ban qui maladie khawarij fin tous zot dans sa ummat là, je t'y pou quitte tous les autres actions, je t'y pou fier zis l'eau là. Je t'y pour abandonne man les autres actions dans l'islam. Je t'y pour fier zis l'eau-là. Veut dire, élimine ban khawarij pour je gagne récompense qui Allah subhanahu wa ta'ala fin promet l'eau, la langue mubarak de ce rasoul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout ça, ban parole-là, qu'il peut montrer nous, chers frères, peut montrer nous avertissement le prophète. Dégoût qui le prophète tient là. Pour saban, saban dimoun, qui zot pour les autres, tombe dans sa ligament, dans sa fausse aqida qui appelle aqida de ban khawa, de ban khawarij, qui, inshallah, nous pouvons développer qui était ça. Qui était ça, sa aqida qui appelle khawarij là? Qui sa ban idéologie là, ça? Qui sa ban pensée là, ça? Qui sa ban comportement? Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit celui qui est na ça dans lui, veut dire, il est na sa aqida là dans lui. Inch'Allah, nous pouvons l'eau là après, mais pour aujourd'hui, nous pouvons montrer où ban hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le finavé et tisse ummat. Un parmi ban plus grand danger qui est là, c'est danger de ban khawa, de ban khawarij. Un parmi ban plus grand dito qui fait, parce qu'il sait ban qui, je trouve, je à l'intérieur de l'islam, je considère, je comme ban musulman, et je considère, je comme ban meilleur musulman, car en vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin appelle je, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin appelle je ban les chiens de l'enfer. Nous pouvons trouver hadith appelé devant mon frère. Imaginez-nous pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut qualifier un groupe de monde dans son ummat qu'il y a calma la ilaha illallah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut qualifier eux de ban lichiens de l'enfer. Essaye, imagine Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ce dégoût qu'il y en a pour ban jimoun qui je te les ai emportés par sa maladie là, je te les ai emportés par sa ligament là. Le sahabi Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu lui dit, Abu Sa'id al-Khudri lui mot dans l'année, quelle année? L'année 47 Hijri. L'année 47 Hijri. Lui dit, la guerre contre ban khawarij, faire djihad contre ban khawarij, escalier, ban tuer que zut aqida qui était, ban tuer que zut aqida c'est pas tawhid, ban tuer que c'est un parmi ban djimoun, qui zut aqida, c'est un aqida qui mélange avec shirk, et il y a beaucoup shirk dans ban tuer que zut aqida. Alors, même à l'époque, nous connaissons à l'époque Tchénaïn, l'empire qui s'appelle l'empire ottoman. Azodi Kawalda Madina. Le dôme l'eau kabar le prophète. Sa dôme veya kena l'eau kabar le prophète là. C'est là qui finira ça. Sa architecture qui vous trouvez. Masjid Nabawi, son original. Qui coulait y aider, sur une colonne. Couleur rouge. Avec ban, qui vous trouvez tout de tout.
Là, à côté où il y a Qabar le pont, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était ça? Ça, c'était Masjid Nabawi, quand il tida l'autorité dans l'armée de Man, ottoman. L'empire ottoman. Et ça, à l'époque-là, dans la même qui après. À cause de ça même, ils ont dit, je t'appelle nous, Banu Wahhabi. Dans la même après, gagne Mohammed bin Abdel Wahhab, qui vini, les révolutions tawhid, crase ban darga qui fin commence, paraît l'eau ban kabar dans l'Arabie. Les commence tire, les commence dénonce ban shirk et ban bid'a qui ban musulman, ban l'empire ottoman qui peut propager. Dans la même qui, la famille Ali Saoud, avec l'aide de Mohammed bin Abdel Wahhab, je nettoie l'Arabie de Saban Shirk et Saban Bid'a, qui l'Empire Ottoman t'a mené dans l'Arabie, dans Makkah et dans Madina. Donc, chers frères, le Sahabi Saïd al-Khudri lui dit, la guerre contre Ban Khawarij, c'est une plus grande action auprès de moi, qui m'a la guerre contre Ban Turc. Al-Ahwaz, une place, un endroit, nous tu peux combattre Ban Khawarij. Et dire, la guerre contre Ban Khawarij, c'est une petite chose qui tient à lieu dans l'époque de Ban Sahaba. Quand Ban Khawarij fin faire cette apparition, alors Ban Sahaba, ils suivent l'instruction que le prophète, ils donnait à la lettre, veut dire, je n'a pas fin quitte sa banjimoun là, bankin, je fin vini avec sa aqida là. Excepté qui, à chaque fois qu'ils lève la tête, fin combattre je, jusqu'à fin tout je. L'idée, nous tu peux combattre ban khawarij, parmi nous, tiens le sahabi, Abu Barza al-Aslami. Donc, prêve, ban frère, prêve qui, khawarij, li tiennent danger, li tiennent du tout, li tiennent fitna. Même à l'époque de Ban Sahaba ridwanullah alayhim ajma'in, et alors Ban Sahaba fin combat zut fin vie ni même Ibn Hubayra qui timo dans l'année 560 Hijri li dit combat Ban Khawarij li pli important qui combat Ban Mushrik get Ban Salaf zut compréhension de l'islam concernant Ban Khawarij combat Ban Khawarij. Les plis importants qui combattent Ban Mushrik, la sagesse de Yassa, c'est qui quand nous combattons Ban Khawarij, quand nous dénonçons Ban Khawarij, quand nous amène la lutte contre Ban Khawarij, nous peut préserver le capital de l'islam. Parce que Ban Khawarij, qui je te fais? Ban Khawarij, quand je te vini avec je te légalement Khawarij, je te difforme l'islam. Je te montrer une autre image de l'islam. Pas à l'image de l'islam qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient avec ça. Pas à l'image de l'islam. Je te pas reflète ça l'islam qui ban sahaba ridwanullah alayhi wa jma'in fin conquérir ban partie du monde. Prend depuis l'Inde pour aller jusqu'à la Chine. C'est avec aqida tu tawhid, aqida tu ahlus sunna wal jama'a, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin quitter comme l'héritage pour eux. Mais ban khawarij, quand je t'in vini, alors je difforme sa vraie l'islam, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend tout sa banane là, pour qui? Pour qu'il y établisse parmi ban musulmans. Alors il dit, parce qu'il, dès y a ça quand nous peut combattre ban khawarij, nous peut préserver le capital de l'islam. Tandis qu'il, quand nous combattons ban qui dans shirk, nous peut cesse profit. Préserve le capital, les plis importants. Get compréhension de ban salaf de sa ummat là. Ban là, je t'y comprends. Quitte chose qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous comprendre. Quitte chose qui représente vrai danger dans l'islam. En quitte chose qui nous pas fait prendre compte, ban frère. En quitte chose qui nous pas fait prendre compte, Aladan. Comment est-ce qu'il est contredit à aqidatu ahlus sunnah wal jama'a? Dans qui ban qui chose qui se contredit à Coran, se contredit à Sunna. Quand demain, sa aqida là, l'ipo arrive jusqu'à nous ban enfants. Quand nous ban enfants pour grandir demain, et qui, nous quitte sa dunya là, si nous pas navire, si nous ban enfants, de danger qui sa aqida là représentait,
possibilité, probabilité qui demain nous bannent enfants, zot vin ban khawarij, frère en islam et soeur en islam, alors nous pour responsables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait que le prophète infia nous connaît, qui khawarij c'est l'égarement. Khawarij c'est l'égarement, ban frère et ban soeur. Khawarij c'est pas la guidance, ça. Quand vous guettez, si vous payez la connaissance, si vous pas liez à ben hadith qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin explique-nous, là où pour guettez autres, ou pour croire que c'est ça même ban meilleur musulman qui est là. C'est ça même ban qui vraiment, zote na l'islam à cœur. Et vous connaissez qui vous pouvez faire? Ou pour sous-estime ou même ou l'islam. Ou pour dire, mais qui vous était, qui musulman vous était devant sa man dimoun là. Mais si vous liez hadith où tu peux trouver, qui, saban dimoula, dans l'Ijé Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ban plus mauvais dimoun qui existait en bas les ciels. Frère en islam et soeur en islam. Nous vous terminons, inshallah. Nous vous respectons, nous lire. Avec, il y a un livre qui nous peut étudier. Alors, nous pas prétendre qu'il nous peut capable finir dans une seule explication. Alors, nous pouvons faire lire, Inch'Allah, bout par bout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même lit, l'indissocié lit depuis Ban Khawarij. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, et afin qu'il nous capable convaincre l'équerre de Ban Frère, et la première parole de Ban Ulama, Ban Frère, nous pas bien une parole de Ban Ulama devant où? En premier, nous permet une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si sa bonne parole là, un récit convainc nous l'écrire, alors, inshallah, nous capables à le faire une recherche nous-mêmes, et nous rôde parole de ban ulama, nous rôde parole de ban ulama concernant sa danger qui est le danger de ban khawa, de ban khawarij. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, من حمل علينا السلاح فليس منا. Dans sa hadith là, le prophète peut montrer nous un parmi ban caractéristique de sa ban qui appelle zot ban khawarij. Celui qui lève zom contre ban musulman, li n'a pas parmi nous. Sa aqida qui appelle khawarij là, et n'a un l'enseignement là-dedans. Si vous fin convaincre dans sa l'enseignement là, vous pouvez un parmi ban dimoun, qui ou pour d'accord, ou pour accepter, quand demain, ben là, pour venir dire où, qui gagne droit les hommes contre un musulman. Et ici, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui lève les hommes contre nous, veut dire contre ban musulman, lui n'a pas parmi nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa man kharaja ala ummati, celui qui sortit contre mon ummat, veut dire celui qui, li sorti contre mon ummat, li lève la guerre contre mon ummat, veut dire, li lève zom contre mon ummat. Yadribu barraha, wa fajiraha, wa la yatahasha min mu'miniha, wa la yafi lidi ahdin ahdahu, falaysa minni, wa lastu minuhu. Celui qui touille ban pieux parmi ban la, celui qui touille ban pieux parmi ban la, ban khawarij qui s'en a ban a titouillé. Je dis, sallallahu alayhi wa sallam, son parole in bin vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui sorti contre mon ummat, je t'in sorti contre Ali, je t'in sorti contre Othman. Celui qui touille ban pieux parmi ban la, qui s'en a qui capable plus pieux qui Ali radiallahu anhu, celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne li khilafa qui s'en a qui t'y capa plus pieux qui Othman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ban fajir, je poutouille même ban fajir, qui veut dire ban fajir, ban musulman qui passe yaye, ban musulman qui passe yaye, je ne lis à kalma la ilaha illallah, mais c'est moi je passe yaye dans la namaz. Ban musulman qui, comment dire, je te commets zina. Ban musulman qui, comment dire, je te donne, ban jeu du hasard. Jusqu'à ça, ban dimoula, ça ban la poujot, pein a droit de vivre, ça. C'est ban qui dans grand péché, bisintu yzot. Ça, c'est digne de ban khawarij, ça.
Ça c'est dit de Ban Khawarij, basant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, « Li n'a pas évite ban mu'min pabi ban la » Et il n'a pas rempli ce engagement envers celui qui n'a l'engagement envers lui. Il n'a pas épanoui ban mu'min. Quand sa maladie khawarij là, il rentrait, on n'a pas pu faire distinction, est-ce qu'il y en a iman ou bien il y en a iman. Si ou akida khawarij là, il rentre dans où, il dit où qui s'adimoun là, bizet, tout il y, alors je peux exécuter cette passion. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous fait nous connaître plus vivant. C'est rien, ça, mon frère. C'est pas digne, ça. C'est passion, ça. C'est nous passion, c'est nous hawa, qui nous fait vivre digne, et qui nous fait propulser par devant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ni lit parmi moi, ni moi mou parmi lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dissocier lui, depuis sa bande là. Et nous, aujourd'hui, qui nous veut dire? Saban djimoun la ki ban vrai musulman. Saban vrai courageux ça. Saban vrai mujahid. Saban qui n'a acquis l'islam. Saban qui n'a acquis le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la lutte. Prends parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mette l'île au balance. Après nous faire jugement, mon frère. Pas laisse-nous émotionner par action. Shaitan, tu viens montrer Abu Huraira, qui lui tu montres lui? Quand Shaitan t'y vient coquet de tout le mal, pour lui embêter Abu Huraira, pour Abu Huraira, pas amener l'école de prophète, qui lui t'y montre lui? Il t'y montre lui Ayatollah Kursi. Il t'y montre lui Ayatollah Kursi, lui a ça avant toi le dormir un soir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître. Sa hadith là, il tombe dans Sahih Muslim. Alors, mon frère, nous pouvons arrêter là. Inch'Allah, nous pouvons continuer dans une autre session. Du tout de Ban Khawarij à l'islam. Donc, pour aujourd'hui, nous finissons prendre pas mal de Ban Hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous qui sa groupe d'immun, qui sa maladie qui appelle Khawarij, il rentre dans cela. Alors, je ne pas pour faire du bien à l'islam, ça va d'immun là. Je ne pas fin faire du bien. Je ne pas faire du bien. Dans nous, l'époque, Khawarij, il envahit sa ummat là. Je ne pas faire du bien à l'islam. Et je n'ai pas pour faire du bien jusqu'à Qiyamah. Je n'ai pas pour faire du bien avec ça, sa aqidah là. Ça, c'est parole le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, le fait qu'ils te représentent un danger, un fitna pour sa ummat là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, si ben musulman, il a l'autorité là aux autres, tuez-les, extermine-les, élimine-les, pour qui sa din là, et ben membre de sa ummat là, je n'ai pas souffert de sa ban djimoun là, je te l'égare, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous compréhension de ce din à la lumière de parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et compréhension de ban sahaba ridwanullah alayhim ajma'in, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui maintenir à nous le chemin droit, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait à nous reconnaître la vérité comme la vérité, Allah fait nous les qui accepter la vérité et qu'Allah fait nous reconnaître fausseté comme fausseté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous les qui reconnaître fausseté afin qu'il nous capable résoudre lui. Allah donne nous courage qui besoin pour qu'il nous capable résoudre la fausseté pour faire lui tous le plaisir, car certainement mon frère, Allah il envoie nous pour qui nous cherche la vérité quand nous connaissons la vérité de Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khayra. Posez l'attention mon frère, il a un petit rafraîchissement à l'arrière, je veux dire mon frère capable prendre un petit rafraîchissement avant de aller. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée. Je suis en Russie, mais on a déjà l'armée.